Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Black Flag. J'ai avancé un petit peu entre les épisodes. On est parti, je vous rappelle, d'ici, quand on a déverrouillé le fort ici. Et du coup, on avance tranquillement là, vers la mission suivante. Il me reste encore 1 km à faire. La dernière fois, nous avons échoué notre quête pour récupérer des médicaments pour Nassau. Il n'y avait rien dans l'épave. Alors, attendez, je me fasse pas avoir par le banc de sable, par contre. Et après, du coup, on a libéré les deux derniers forts en difficulté 1. Donc ça, voilà, on a débloqué cela. Hop, un petit peu de rhum en plus. Et on verra pour continuer de débloquer des forts au fur et à mesure de nos aventures. Allez, on arrive sur place. On va pouvoir lancer l'avocat du diable. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On vous a attaqué? Ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est Barbe Noire qui a frappé le premier. Il a ouvert le feu sur un manoir anglais, cette charogne. Pourquoi elle a fait ça, Ben? Il cherche toujours ses foutus remèdes. Mais si tu veux mon avis, il est devenu fou. T'en fais pas, je vais le ramener. Il se débrouille. Il l'a bien cherché, après tout. Alors, localiser le Queenland Revenge. Et sauver les survivants. Où est-ce que ça se situe? Où est-ce qu'il est parti, Barbe Noire? Ok, là, j'ai pas vu la zone. Allez, c'est parti. Déferlez la grand voile, mi-hauteur. Ok, on est dans la brume. Je suppose qu'il va falloir faire hop là. Captain, il y a une épave là-bas. Récente, on dirait. Je la vois. Espérons que Satch n'a pas subi le même sort. Là-haut, les gars! Je veux voir, c'est quelqu'un toi! Une autre épave, capitaine. Ça n'annonce rien de bon. Aïe. Garde l'œil ouvert, Adé. Bon sang, ça dépasse les bornes. On devrait pas avoir autant de mal à trouver ces caisses de remède. Ok, il y a le manoir là. Je parle de la querelle de coq entre Satch et Hornigold. Ils sont devenus fous. Aïe. Mais ils ont tous les deux du cœur, capitaine. Ils veulent tous les deux protéger Nassau. Mais pourquoi ils s'acharnent? Pourquoi sauver une ville qui vaut rien? On n'est pas fait pour gouverner. On prend, on dépense, on mène la grande vie. On fait ce qu'on veut. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Au diable la politique. Ce qu'il faut, c'est de la richesse et du pouvoir. Si on trouve l'observatoire, on aura de quoi se payer toute l'Angleterre. Et peut-être bien, on écrasera tous ouais, ces c'était rois un peu juste. Comme de vulgaires paysans. Tu rêves debout, capitaine. C'était un petit peu juste, je pensais qu'on allait pouvoir passer là. Toi. Je tiens à ces hommes, Adé. Je te jure. Mais ça me plaît pas. J'ai l'impression d'être un foutu garçon de course. Embêtant ce banc de sable là. Donnez toute la toile. Allez. Donnez toute la toile et tendez. Le vent devient mordant, capitaine. Y
ciel noir et mer démontée par là-bas. Le vent est en train de se lever, capitaine. Carguez, vous autres! Alors, il va falloir localiser maintenant. Une grosse tempête, capitaine! Queen Anne's Revenge. Il est sûrement plus très loin. Par là-bas, là, ça a l'air de... Toute la toile, plus vite que ça! Là-haut, déferlez, à vos voiles! Sur tribord! Un homme dans l'eau, capitaine! Il a l'air en vie! Alors, où est-ce qu'il va être? Gardez les cacatois et les huniers! Berlet! Envoyez la grand voile! À vous au bord! Allez! Toute la toile au vent! Lâchez tout! Déferlez! Donnez de la toile! On va essayer d'éviter les navires. Hein. Navires anglais. Surtout s'ils ont un manoir pas loin. Bon, où est-ce qu'il est? Je fais attention parce que je suis à la limite de la détection. Ouais, bon bah là il m'a vu. Carguez les huniers! Grand-bas! Ah, on risque de vergue! Tirez! Mon bonnet, je veux de la vitesse! Alors, est-ce que c'est celui-là? Mon bonnet, profitons de cette bourrasque! Carguez les huniers et les perroquets! Abbé, regarde là-bas! C'est lui! Le Queen Anne's Revenge! Il est en mauvaise posture! Pas le temps de voter! Satch est en danger! L'équipage comprendra! Tout le monde à la manœuvre! On met le cap vers l'enfer! Satch est débordé. Je vais à terre. Allez, on a trouvé le lieu. J'ai pas vu ce qu'il fallait que je fasse. Jolies études ne t'avaient pas préparé à ce genre de raffus, hein, monsieur Bonnet? Un de là, non? Eh bien, souviens-toi que les actes ont davantage à nous enseigner que la lecture! T'as réveillé tous les démons de l'enfer, Satch! On s'est en vise d'une noble cause! J'espère que tu parles des remèdes! Ah! Il y a un gaillon pas loin, et si on se dépêche de régler leur tentation au mar, on pourra le rattraper! Oh, Seigneur! Mademoiselle!
Tiens bon, Bonnet. Garde les bras en l'air et le dos à la mer. Ouch. Ça fait mal, lui. J'étais en mode contre. Ok, c'est pas grave, on va recommencer. Ah zut, j'ai un allié qui est mort. Ah mince, il m'embête lui là. Allez, on recommence encore. Les jolies études ne t'avaient pas préparé à ce genre de raffus, hein, monsieur Bonnette ? Un de là. Non. Eh bien, souviens-toi que les arts ont davantage à nous enseigner. Voilà pour lui déjà. Tiens bon, Bonnette. Garde les bras en l'air et le dos à la mer. T'as réveillé tous les démons de l'enfer, Satch. On s'est envie sur le noble tronc. J'espère que tu parles des remèdes. Aïe, il y a un galion pas loin. Et si on se dépêche de régler leur compte à ces homards, on pourra le rattraper. Ah mais zut, il m'embête un peu là. Alors. À nous enseigner que la lecture. Voilà. L'utilité n'est pas ton fort. Hein, Satch ? Les légendes ne se nourrissent pas d'indulgence. Remontons à bord et plus vite que ça! Je ne vais pas le laisser s'échapper! Oh, je n'en peux plus! Pour l'instant, je vous donne la main! Donne tes ordres! À la grand voile! Ok, nous on va prendre le. Sur ce maudit navire! On aura nos remèdes avant la fin du jour! Alors, on va falloir aborder le manoir maintenant.
et à des mortiers. Allez. Non. Et ce carillon qui tend les bras. Je vois le diable que tu m'avais promis, Satch. Ah, il est chaud, par contre. Je t'aurais montré un ange s'il savait demander le quartier. On va pouvoir aborder le manoir maintenant. Alors, il va falloir que je tue le capitaine. Wow, c'était haut. Ouais, c'est raté ça. Je pensais que j'allais pouvoir m'accrocher, Omar. Ah mince, deux fois. C'est bon. Si, j'ai réussi à m'accrocher. Voilà. Tu vas goûter au mousquet, crevure. On te pendra et tu sécheras au soleil comme ces crapules de Boston. Le roi a offert son pardon. Capitaine, on a fouillé la cale. C'est misérable. Mais les remèdes qu'on a trouvés viennent tous de Charlestown, c'est certain. Merci, monsieur Hans. On ne pourra jamais ravitailler Nassau en comptant sur la force et la chance. Va falloir aller les prendre à Charlestown. Sommes-nous victorieux ? Je crains ne pas être bâti pour supporter les rigueurs de la vie d'un gentilhomme de fortune. Retrouve-moi à Charlestown. Dans un mois, jour pour jour. Allez, on a accompli la mission. Ok, alors on a avancé d'une étape, il va falloir aller ensuite vers Charlestown, je suppose que ça doit être ça. Du siège de Charlestown. Ok, bon, on va aller se faire un petit fort du coup, en attendant. Encore un petit peu de temps. On va aller se tenter le 2 étoiles qui est là, sur l'île. Navassa. Allez, c'est parti. Ok, c'est la tempête. Va falloir faire gaffe aux lames de fond par contre.
Voilà, a priori ça va. J'ai juste eu un peu d'orage. Pas de grosses vagues. Non mais c'est bon, j'ai 8. They sprang a leak here at poor old Timbers Creek, and we'll wait for a day, wait for a day, wait for a day when we get off. And we walked our way round Scalby Nest when we were on a terminé un défi Abstergo en naviguant 100 nautiques. Allez, on a pris du sucre. Je crois que ce fort là, c'est celui qu'on avait croisé là, qui doit être sur une île. Encore 2,5 km pour pouvoir le rejoindre. Alors, peut-être s'arrêter sur l'épave là qui. Pour essayer d'aller récupérer des choses. Il y a peut-être moyen d'aller récupérer une cargaison là. Accrochez-vous, on va toucher! En panne, l'air est toute la toile! Ah, il y a du bois ici. Encore du bois. Il y a une caisse là. Ok, beaucoup de bois, c'est bien. Ça nous paiera peut-être une amélioration, ça. Il n'y en a pas d'autres? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres. Ok. Le capitaine tient là-bas. Donnez de la toile, prenons un peu de vent. Voilà, ça nous a permis de récupérer un petit peu de bois, qui nous permettra peut-être d'avoir une amélioration en plus. Allez, il va falloir détruire 9 défenses sur le fort. À vos postes, tunnel. D'autres voiles ennemies. Comprenez-vous? Ton signal, capitaine! Oh capitaine, un coup bien placé à cet endroit! Oh on a. Carguez, vous autres! Sont trois faibles! C'est là qu'il faut tirer! Oh un tir bien ajusté, Michel, traîner la balle!
Préparez-vous. Ah mince, c'est les bateaux en plus. Le navire est touché. Ouais, là ça, c'est mal parti, là je le sens. On subit des dégâts. Mine en vue. Mine en vue. Attention, je connais mes tirs sur nous. Emporté et on coule. Allez, il faut qu'on arrive à prendre lui. Ce qui lui permettrait de réparer le bateau. Si on l'aborde. La faucheuse va leur rendre visite. Allez, on va commencer par ça. Servir pour réparer mon bateau du coup. Ah zut, deux fois j'appuie sur le bouton central de la manette. Déferlez la grand voile à moitié. Allez, on va continuer d'aller réparer. Il faut qu'on fasse feu sur ces tours. Notre bateau avant de pouvoir attaquer. Envoyez-vous la toile, en route portier. Tout le monde à la toile. On va les toucher. On va l'enfer les gars. Voilà pour ça. On va pouvoir réparer encore notre bateau. Et on va pouvoir retourner vers le fort ensuite. Ça, par contre, c'est qu'il tire de loin, lui. Hein. Allez. On approche de fort, capitaine. Bon, déjà, vu qu'il y a moins de bateaux qui vont nous attaquer en même temps. Il peut nous avoir comme mortier.
Ah ouais, on a 4 sur 9. Là, capitaine, c'est là qu'il faut tirer. Touche-le au bon endroit, il va disparaître. Tirez-là, capitaine, juste là. Ah, il m'en reste deux à lui détruire. Il reste encore une à avoir. Ok, c'est bon pour ce fort-ci. On va pouvoir l'infiltrer maintenant. Donnez toute la toile. On va tirer profit de ce vent, je vous le dis. Serrez tout, sauf la grande toile. Carguez la misaine. Allez, c'est parti. Ok, il y en a trois officiers cette fois maintenant. Allez, un. Ok, j'en ai un autre là. Voici le dernier. Par là-bas, a priori. Oh non! J'ai pas vu arriver. Ah zut! Allez, c'est pas grave, on recommence.
D'accord, il faut remonter sur le fort. Zut. Alors voilà. Allez, encore un à tuer. Ok, c'est bon, on a eu les... On les a tous eus. Je peux atteindre maintenant la cabine. Le cabinet de guerre. Hein. Et prendre ce fort. Eh ben. Allez, on a eu un fort supplémentaire du coup. Avec un nouveau navire légendaire à cet endroit-là. Tu veux qu'on te laisse tranquille, mon ami ? Have you business to contract with me? Alors, est-ce que j'ai assez du coup pour pouvoir m'acheter une amélioration ? La protection de coque, je peux pas encore. Il manque de métal en fait. Ah, j'ai cru avoir une protection. Ah, mais ça c'est pour le harponnage, ok. Bon, je peux pas faire grand chose. Ok, et puis bah du coup, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed Black Flag vous aura plu. La prochaine fois, on ira faire la mission suivante. Qui est tout là-haut, je vais naviguer un petit peu en attendant. On ira faire le siège de Charleston. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.